peux t'aider pour le pique-nique? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lentilles corail. Des lentilles, j'adore les lentilles. Le petit salé aux lentilles, les lentilles aux saucisses fumées. Alors non, je vais plutôt te proposer une salade végétarienne aux lentilles. C'est un pique-nique végétarien, non? Ouais, ouais. Tu sais, il y aura Paul. Tu l'aimes bien, Paul, hein? Pour réaliser cette salade de lentilles, il vous faut 120 g de lentilles corail, une carotte, un demi-concombre, une demi-betterave, 70 g de feta, 5 tomates cerises, 3 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de vinaigre, du sel et du poivre. Dans de l'eau bouillante, faire cuire les lentilles environ 10 minutes. Râper la carotte, le concombre et la betterave. Couper les tomates cerises en deux. Et, dans un saladier, ajoutez-les aux lentilles refroidies, aux crudités et au fromage émietté. Assaisonnez avec l'huile, le vinaigre, le sel et le poivre. Bon, allez, je goûte, hein. Personne ne verra. Oh, c'est bon. Oh, ce que c'est bon. J'ai utilisé des lentilles corail pour faire cette salade. L'avantage de la lentille, c'est que c'est un aliment riche en protéines, en fibres, en magnésium et en fer. Donc une recette délicieuse et qui convient tout à fait au régime sans viande, tout en évitant le risque de carence. Oui, et puis c'est aussi un aliment coupe-faim, donc ça va permettre d'éviter les grignotages. Et on peut aussi proposer cette recette aux personnes qui sont intolérantes au gluten. Je rajouterais bien des lardons. Des lardons? De légumes. Des lardons de légumes. Lardon, petit morceau de lard. Tu me prendrais pas pour un jambon? Bon, ça va, je voulais juste revisiter le lardon. Hein. Tu fais bien des flans sans lait, toi. Ouais, mais des lardons. On dit plutôt des dés de légumes. Oui, bon, on va peut-être y aller, là, hein, parce que... On va pas faire attendre Paul, hein, quand même. Oh, David, arrête, t'es lourd.